dix ans de, de l'église de la victoire. On se réjouit de ces dix années passées et de ce que Dieu a fait effectivement dans, dans le passé, mais on veut regarder aussi devant nous. Et le royaume de Dieu a besoin d'hommes et de femmes déterminés, des gens qui soient profondément déterminés, des hommes et des femmes qui ne s'arrêtent pas à la moindre tribulation, à la moindre difficulté. Mais des gens qui, à cause de leur foi en Jésus-Christ, continuent et persévèrent. On a besoin d'être, de devenir des hommes et des femmes persévérants qui continuent malgré les années, qui vont au-delà des années, être plus forts que le temps qui passe, être plus forts que les circonstances, avancer par la foi et obtenir toutes les promesses de Dieu. Dieu a dit au prophète Ézéchiel. Il lui a dit :« Tu vas. » t'asseoir sur des scorpions, et tu auras avec toi des ronces et des épines, mais ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, parce que je suis avec toi. Il dit, j'endurcis ta face pour que tu l'opposes à leur face, j'endurcis ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. C'est pourquoi ne les crains pas, ne t'épouvante pas devant eux car c'est une famille de rebelles. Il dit, mais toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, mais ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. La foi, ça fait peur. La foi, c'est au-delà de l'intelligence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas raisonner. La foi, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. La foi, ça va au-delà de tout raisonnement humain. La foi, c'est une très grande confiance en Dieu. La Bible nous parle de ces hommes et de ces femmes de foi, entre autres dans Hébreu 11, qui par la foi ont vaincu des royaumes, ont éteint des feux, éteint ou fermé la gueule des lions, etc. Des hommes et des femmes qui par la foi ont eu une grande confiance en Dieu, et à cause de leur amour pour le Seigneur, de leur confiance, de leur grande confiance en Dieu, on peut voir les promesses de Dieu, ce que Dieu leur avait dit, être réalisées. La foi, c'est cette grande confiance que vous avez dans le Seigneur, que ce qu'il a dit va arriver. La foi, elle vient, je crois, et elle est stimulée, elle est fortifiée par l'amour que vous avez pour le Seigneur. Comme le disait l'apôtre, une des questions qu'il m'a posées, et ça je m'en rappelle, il m'a dit, mais pourquoi tu... Pourquoi tu es chrétien Pourquoi tu vas à l'église Et effectivement, je lui ai dit c'est parce que j'aime Dieu. Et depuis que je peux m'en souvenir, à l'âge de 7 ans à peu près, quand j'ai entendu parler de Lui, je me suis attaché à Lui. J'aime vraiment le Seigneur. Et si en fait on enlevait Dieu dans ma vie, je vous avoue, je serais complètement perdu. Je serais complètement déboussolé. Parce qu'en fait, le Seigneur est devenu. Une fondation, un fondement, une colonne. Pour moi, il est celui qui dirige ma vie. Et si je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, je serais complètement perdu. Mais avoir Dieu dans ma vie, c'est l'assurance d'avoir mis ma confiance en un être supérieur, un créateur, quelqu'un sur qui je peux compter. Quelqu'un qui, avec sa simple parole, lorsqu'il ouvre la bouche, peut créer, amener des choses à l'existence. J'ai une confiance inébranlable dans mon Seigneur. Et c'est cette confiance en Dieu, en sa parole, cette confiance en, aux paroles qu'il a pu me donner, les choses qu'il a pu me dire, qui m'ont permis de servir le Seigneur depuis maintenant 16 ans, de marcher avec lui, de vivre à ses côtés, de continuer de l'aimer malgré les questions, dans les difficultés, dans les épreuves, avec le temps qui passe, avec le ciel qui parfois a l'air fermé, avec le ciel qui parfois a l'air ouvert, continuez de persévérer et de marcher avec Dieu. Notre amour pour le Seigneur nous pousse et nous aide à persévérer jusqu'au bout, à garder la foi, à croire que ce qu'il a dit va arriver. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait vous encourager à être un peuple déterminé, à lui faire confiance et à ne pas croire que vous êtes trop vieux pour les choses qu'il vous a dites. Dans Deux rois au chapitre 6, nous voyons un épisode particulier. C'était en fait une ville, Samarie, qui avait été assiégée, elle était entourée de tous ses ennemis, et j'en ai déjà parlé ici. Euh, il y avait tellement de jours qui s'étaient écoulés depuis le temps où cette ville avait été assiégée par ses ennemis. Que ces gens qui avaient construit ces murailles pour être protégés, ces murailles étaient devenues pour eux en fait leur cercueil. Ils étaient en train de mourir et de périr de faim parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de leurs murailles qui s'étaient créées pour se protéger. Parce que s'ils sortaient de ces murailles et des murailles de cette ville, pour eux c'était la faim, ils allaient mourir tués par leurs ennemis. Alors il y avait une telle faim, une telle famine qui sévissait que plusieurs étaient déjà morts que les enfants commençaient à maigrir à maigrir au point où même certaines personnes faisaient cuire leurs enfants pour pouvoir les manger. Une femme a dit au roi mais nous nous étions convenus nous avions convenu avec une personne que aujourd'hui j'allais cuire mon enfant et nous allions le manger et demain elle allait cuire son enfant et nous allions le manger j'ai cuit mon enfant nous l'avons mangé mais cette femme a caché son enfant. C'était une telle Épouvante, un tel désastre que même une tête d'âne valait à l'époque 80 pièces d'argent et un demi litre de fiente de pigeon avait aussi un prix important, 5 pièces d'argent. C'était terrible, difficile. Une famine incroyable. Et dans cette ville, c'était le chaos, c'était la désolation. Partout dans la ville, tout le monde était dans l'effroi. Les gens se voyaient mourir de faim. Ils se regardaient, le, le, le cœur pressé, leurs yeux vides, comme vous pouvez voir dans certains, certaines images de guerre, ou par exemple avec les Juifs qui ont été déportés mis dans des camps de concentration. Vous voyez leur visage, leur expression de torpeur, de difficulté. Et le peuple de Dieu était là dans cette ville, à Samarie dans l'épouvante. Et puis il y a un homme de Dieu, le prophète Élie, qui va amener une prophétie, qui va apporter une prophétie et qui va dire, demain, à 7 heure, on aura 12 litres de fleurs de farine pour un seul cycle, et on aura 24 litres d'orge pour un seul cycle, à la porte de Samarie. La Bible dit qu'à ce moment-là, il y avait un homme qui était à côté du roi, c'était l'écuyer du roi. Et il a dit mais même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel cette chose arriverait-elle et le prophète lui dit tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras pas le prophète a prophétisé quelque chose d'insensé quelque chose de fou quelque chose de surnaturel quelque chose qui dépassait l'entendement et lorsque j'entends le pasteur Joël dire que la tour Eiffel, ou plutôt que la France, ne sera plus connue à cause de la tour Eiffel, mais à cause de la gloire de Dieu et du réveil qui va s'y manifester. C'est insensé, intellectuellement parlant. Quand nous savons qu'il y a plus de 300, 300 millions de personnes qui sont allées exprès en France pour visiter la tour Eiffel, ces 10 000 tonnes de fer, mais que quelqu'un vient nous dire que... Au-delà de ces 300 millions de personnes et de cette tour Eiffel qui est le monument payant le plus visité dans le monde, vient nous dire que ce pays sera connu non plus à cause de cet édifice, mais à cause de ce que Dieu va faire dans ce pays. C'est complètement fou. Et nous avons le choix lorsque Dieu nous parle et nous dit des choses insensées. D'être comme cet écuyer qui dit, mais si même Dieu ouvrait les portes des cieux, les fenêtres des cieux, est-ce que cela arrivera-t-il? En fait, cet écuyer a cru que Dieu n'était pas capable. Il a dit qu'en fait, même si Dieu faisait tout ce qu'il pouvait faire, même s'il ouvrait les fenêtres du ciel pour changer leur situation, c'était pas possible. Dieu veut des gens déterminés. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont prêts à croire quand rien ne laisse croire que les choses vont changer. Dieu cherche la foi. Il cherche des gens, des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants, des filles et des fils qui vont croire Dieu pour ce qu'il dit, qui vont croire la parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Je me souviens de toutes ces fois où dans cette église locale, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, et en grandissant, j'allais à l'église et chaque dimanche matin, pour moi, c'était une joie parce que j'avais soif d'entendre le pasteur prêcher. Je voulais être nourri de la parole de Dieu, de la bonne parole de Dieu. J'aimais la parole de Dieu, j'aimais la Bible et je l'aime encore. Et Dieu a vu ça. Et il ne méprise pas les faibles commencements. Mais il cherche la foi. La confiance que nous allons avoir en lui et en sa parole malgré les années qui passent. Dieu cherche des hommes de foi qui vont croire en dépit des circonstances, qui vont croire alors que c'est la famine dans la ville et qu'on leur annonce que demain ce sera l'abondance, des hommes qui disent oui et Amen à la parole qui sort de la bouche du prophète, de l'homme de Dieu, de la femme qui marche avec Dieu. Cet homme a dit, mais si même l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, est-ce que cette chose pourrait arriver Et on est beaucoup trop dans le raisonnement. On est beaucoup trop, quand Dieu nous parle de choses folles, en train de réfléchir. Comment Dieu va faire Et notre intelligence, qui, on nous l'a rappelé, elle a pour amener les choses de Dieu, pour faire du bien. Elle est mal utilisée. Et cette intelligence, nous l'employons mal pour s'opposer à ce que Dieu dit. C'est pourquoi Ézéchiel dit :« Mais toi, ouvre la bouche et mange ce que je te donnerai. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. J'endurcis ton front pour que tu l'opposes à leur front, ta face pour que tu l'endures, pour que tu l'opposes. » À leur face, et rendrai ton front plus dur que le diamant, plus dur que le roc. Alors, la Bible dit qu'à ce moment-là, lorsque l'homme de Dieu a prophétisé, il y avait à l'entrée de la porte de la ville quatre lépreux. Ces lépreux étaient, nous le savons, en reclus de la société, mis à part. Et ces quatre lépreux, ils ont dit, comme cette femme dont on vient de parler, ils ont dit Mais est-ce qu'on va rester ici jusqu'à ce que nous mourions Ils ont dit comme Samson, Seigneur encore une fois. Et au lieu d'être dans cette situation de désastre, en laissant simplement les circonstances dominer, au risque de leur vie, ils se sont dit, nous allons aller vers nos ennemis, s'ils nous tuent, nous mourrons, mais s'ils nous laissent entrer, nous vivrons. Ces quatre lépreux était dans une situation encore plus compliquée que le reste de la ville. Ces quatre lépreux ne valaient pas grand-chose aux yeux des gens, mais il y avait quelque chose dans le cœur de ces lépreux c'était l'espérance. L'espérance d'un meilleur lendemain, l'espérance d'un meilleur futur, l'espérance d'un changement. Ils avaient l'espérance que leur ventre qui était creux puisse être rempli. Ils avaient l'espérance que leur visage qui était défait et attristé puisse être tout à coup rempli de joie, heureux. Ils avaient une espérance, même s'ils avaient, par leur intelligence, la compréhension que peut-être ils mourraient, leur espérance les ont amenés à sortir de la ville au péril de leur vie. La Bible déclare qu'ils ont commencé à marcher et ils sont arrivés au camp des ennemis et il était vide. Il n'y avait personne. Parce que la Bible déclare que Dieu avait fait retentir un bruit puissant et ses hommes et ses femmes avaient cru qu'une troupe, qu'une armée nombreuse étaient venus pour les envahir et les tuer. Et ils avaient chacun pas eu le, le temps de prendre leur or, pas eu le temps de prendre leur argent ni leur nourriture. Chacun avait tellement couru vite qu'ils avaient même laissé s'échapper des centaines de vêtements derrière eux. Parce qu'ils avaient fui, comme cet homme qui fuit lorsqu'une feuille tombe par terre. Ces quatre lépreux ont commencé à entrer dans une tente ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à boire. Puis ils sont entrés dans une deuxième tente et ils ont commencé à prendre des vêtements. Et puis de l'or et de l'argent, ils ont commencé à aller se cache, cacher leur or, leur argent. Mais il y avait tellement, il y avait trop pour eux. Ils ont dit maintenant, il n'est pas bien que nous puissions jusqu'à demain manger, boire et cacher de l'or et de l'argent. Il faut qu'on puisse l'annoncer à la ville. Et ils ont été comme Jean-Baptiste, proclamer la délivrance de leur ville. Proclamer la, la délivrance de leur nation, proclamer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour les pauvres, une bonne nouvelle pour ceux qui avaient faim, une bonne nouvelle pour les désespérés, une bonne nouvelle pour ceux qui étaient tristes, une bonne nouvelle pour ceux qui étaient angoissés de voir leurs enfants mourir, une bonne nouvelle pour ceux qui n'avaient plus d'espérance, une bonne nouvelle pour ceux qui marchaient dans les circonstances présentes, une nouvelle d'espérance. J'aimerais te dire que ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Si tu continues de marcher par la foi, si tu crois et que si tu as une grande confiance en Dieu, une énorme confiance en Dieu, une confiance inébranlable en Dieu, une confiance qui demeure malgré les années, ce que Dieu t'a dit, tu vas le voir de tes yeux. Mais tu peux faire le choix d'être comme cet écuyer qui, lorsque la foule a commencé à entendre que leurs ennemis avaient fui, la foule s'est blottie à la porte de la ville, on a ouvert la porte. Et l'écuyer qui se trouvait à la porte a commencé à être écrasé par cette foule. Cet écuyer incrédule, semblable à Thomas, qui n'était pas là le bonjour, et qui voulait le second jour toucher et voir dans les mains de Jésus les trous. Cet homme est mort parce qu'il n'avait pas cru, parce qu'il n'avait pas que fait confiance en la parole qui sortait de la bouche de l'homme de Dieu. Je crois pour le réveil. Je veux voir le réveil. C'est... Un désir qui anime mon cœur, dans mon esprit, je veux voir ce réveil. Et je crois pour le réveil. Et l'apôtre dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Souvent nous croyons mais nous ne parlons plus. Souvent nous croyons mais nous laissons les circonstances dicter nos pensées, influencer notre vie et nous ne sommes pas actifs dans la foi. C'est une chose de croire que Dieu peut guérir. C'est une autre chose de croire que Dieu va me guérir. C'est une autre chose encore de croire que Dieu m'a guéri. Mais c'est encore une autre chose que d'être dans une foi active que j'ai reçu ma guérison. Beaucoup croient que Dieu peut-être les a guéris. Beaucoup croient que Dieu peut-être va les faire prospérer. Beaucoup croient que peut-être leur situation va changer. Beaucoup croient que Dieu sera fidèle dans leur appel, dans leur destinée, mais peu ont une foi active pour marcher dans ces choses-là. Dans Actes chapitre 7, la Bible dit que Moïse avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il avait 40 ans lorsque il était là, l'un des principaux chefs du pays, vivant dans l'abondance et la richesse 40 années d'opulence lorsque il lui vint dans la pensée d'aller voir ses frères. Nous savons qu'il a fui qu'il se retrouvait dans le désert et lorsque il s'est retrouvé à faire paître le troupeau de Jéthro son beau-père puisque s'était marié il y a eu cette flamme de feu dans le buisson ardent et le buisson qui ne se consumait pas. Et il a entendu Dieu lui dire de délivrer son peuple, de libérer son peuple. La Bible déclare que lorsque Dieu lui a parlé au buisson, il était âgé de 80 ans. 80 ans. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, nous avons l'impression que... Il est trop tard. Nous avons l'impression que notre vie est comme déjà passée. Nous avons l'impression qu'il sera impossible que les choses changent. Nous avons l'impression que ce que Dieu nous a dit, nous ne pourrons pas le voir avec nos yeux. Nous avons l'impression qu'il s'est passé trop de temps, on a cru pendant trop longtemps pour que réellement Dieu le fasse. On est semblable à cet homme qui dit, mais est-ce que même si Dieu ouvrait les fenêtres des cieux, est-ce qu'une telle chose arriverait Frères et sœurs, est-ce que la France sera plus connue à cause de la tour Eiffel, mais à cause du réveil, est-ce qu'une telle chose arriverait Est-ce que cette région, le Québec, sera tellement touchée, percutée Secoué par la puissance de Dieu, que des hommes et des femmes par milliers courront dans les églises pour rencontrer le Seigneur. Est-ce qu'une telle chose peut arriver Est-ce qu'une telle chose peut arriver Il avait 80 ans et Aaron avait 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. Dieu aimerait qu'on puisse progresser dans notre foi. Dieu aimerait qu'on fasse des progrès dans le niveau de notre foi parce que notre foi doit grandir, parce que notre foi doit maturer, parce que ce Pierre dont nous avons entendu parler, lorsqu'il était à Gethsemane et qu'il a coupé l'oreille du serviteur Malchus, ce n'était pas le même homme lorsqu'il a écrit ses épîtres. Il était transformé. Il s'était passé du temps. Où il a médité, où sa foi en Dieu a augmenté, où sa compréhension de la nature de Dieu, des plans de Dieu a augmenté, où il a vécu comme vous et moi, un jour après l'autre. Il a vu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche passé, l'une semaine après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre, une année après une année. Pierre a grandi. Pierre a maturé. Et l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle parmi les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Il nous a été rappelé hier l'importance de l'église locale. C'est dans ce lieu que nous pouvons être un modèle parmi les fidèles en parole, en amour, en pureté, en foi. Il lui dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Il faut que tu puisses t'appliquer à la foi. Il faut que tu puisses t'appliquer à la méditation de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions, frères et sœurs, nous appliquer dans une discipline quotidienne à la poursuite de Dieu, à la poursuite de la présence de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu et en la méditant jour après jour que nous serons transformés. Ce n'est pas forcément en lisant la Bible plusieurs heures par jour, mais c'est en la lisant tous les jours, année après année. C'est en priant tous les jours, jour après jour, que nous construisons une relation forte avec le Seigneur. C'est en persévérant. Il y a des hommes et des femmes qui sont connus pour faire de grands progrès tout à coup. Ils sont comme des étoiles filantes. Mais nous voulons plus que des étoiles filantes qui paraissent pour un temps et qui disparaissent. Nous voulons des hommes et des femmes qui soient stables. Des hommes et des femmes qui soient fidèles, sur qui Dieu peut compter. Des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Et cette foi, ce n'est pas seulement la foi pour le miracle qui arrive comme ça instantanément, où l'aveugle voit. Mais cette foi, c'est aussi cette véritable confiance en Dieu pour chaque jour qui passe. C'est cette confiance en Dieu forte pour chaque heure qui passe. C'est cette confiance et cette foi inébranlable que dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, jusqu'à notre mort, nous servirons le Seigneur. C'est cette foi et cette confiance en Dieu que ce qu'il nous a dit, nous ne savons pas s'il aura besoin d'ouvrir les cieux, s'il aura besoin de, de créer des fenêtres dans les cieux pour que nous puissions obtenir ce qu'il nous a dit, mais cette chose va arriver. C'est une foi en Dieu, une confiance par amour pour Dieu. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie. L'un des pires traits de caractère que nous pouvons trouver dans la vie de quelqu'un qui veut servir Dieu, c'est la négligence. C'est l'un des pires traits de caractère chez quelqu'un. La négligence. Négliger la parole de Dieu. Négliger notre appel. Négliger notre destinée. Négliger les commandements saints de Dieu. Négliger les influences du Saint-Esprit, les sentiments de l'Esprit en nous, dans notre esprit, lorsque nous les négligeons, nous passons à côté du but. Lorsque nous les négligeons, nous faisons fausse route. Lorsque nous les négligeons, nous sommes en train d'emprunter le chemin qui est large et qui mène à la perdition. Il dit, applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents. Pour tous. Je voudrais te dire que tu as peut être quarante ans, tu as peut être quatre vingts ans, et tu es encore en âge de faire des progrès. Peut-être que ta foi jusqu'ici était faible, mais ta foi est appelée à être forte, à être fortifiée. Peut être que jusqu'ici tu pleurais lorsqu'on te critiquait, mais demain Dieu t'appelle à ne plus pleurer, mais à bénir ceux qui te critiquent et à prier pour eux. Peut-être que jusqu'ici, une circonstance difficile, un manque d'argent, te faisait peur et te faisait réfléchir jusqu'à te casser la tête et t'amener des maux de tête, mais demain, tu seras changé. Et ces problèmes d'argent, ces manques ne seront plus jamais pour toi un sujet d'inquiétude. Elles seront pour toi un sujet de confiance en Dieu, un sujet d'amour, un sujet de communion avec le Seigneur, un sujet de joie, parce que dans ces temps, tu continueras, tu proclameras la parole de Dieu. Et en mettant ta confiance en Dieu, tu feras des expériences personnelles avec Dieu et avec sa parole. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en proie à des difficultés personnelles de caractère, des choses que tu as traînées depuis ton enfance, depuis ton adolescence, des choses qui font partie de toi et tu dis mais je suis comme ça, mais demain Dieu veut les changer. Dieu veut que tu sois transformé et ne plus vivre avec ce caractère. Il veut te transformer. Et il a la puissance de te changer. Il a la puissance de faire que quelqu'un qui te connaissait il y a 20 ans lorsqu'il te reverra demain ne te reconnaîtra pas à cause de tes progrès qui seront devenus évidents de tous. Peut-être que jusqu'ici on te critiquait pour ton manque de foi parce que dès qu'une difficulté arrivait, tu avais peur. Tu étais dans l'angoisse, tu fermais la bouche. Tu faisais demi-tour. Mais demain, Dieu, ce qu'il veut de toi, c'est que ces choses ne te fassent plus jamais peur. C'est que même si la crainte voulait te submerger, tu lui ferais confiance. Il arrive des temps tellement durs, tellement difficiles, où on a l'impression que le ciel est fermé, où on a l'impression qu'on va être submergé par comme dans un sable mouvant qu'il n'y a plus d'espoir, mais dans ces temps-là, nous plions le genou, nous prions, nous cherchons Dieu, et on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. C'est difficile, Seigneur. Je ne comprends rien, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je me souviens lorsque Annabelle était enceinte, c'était le dernier jour. La date limite était passé depuis dix jours et ça devenait dangereux et alors que les contractions avaient commencé le travail avait l'air de commencer tout à coup plus rien et on est tellement particulier qu'on voulait qu'on voulait accoucher à la maison je ne sais pas si j'étais prêt pour ça mais en tout cas j'étais déterminé et la sage-femme nous avait dit qu'elle ne pouvait plus se porter responsable et qu'elle ne serait pas là parce que la date de l'accouchement était passée et elle ne voulait pas se porter responsable d'un accouchement dangereux. Et lorsque Eden <laughs> ne bougeait plus à l'intérieur de son ventre, je vous avoue, j'ai paniqué. Et en allant à l'hôpital dans l'incompréhension, je pleurais sur la route, alors que ce jour devait être un jour de joie. C'est un jour où je pleurais, je disais Seigneur, quoi qu'il arrive, je te servirai. Quoi qu'il arrive, je te continuerai à te servir. Lorsque quelques années plus tard, elle est tombée dans un escalier, elle était encore jeune. Et ce soir-là, lorsqu'on est rentré à la maison, qu'elle était juste un an, une enfant, elle s'est mise à vomir et c'est un très mauvais signe. Le choc lorsqu'elle est tombée de cet escalier était tellement violent, mes amis étaient un peu choqués. Et alors les, les pompiers sont arrivés, les ambulances, je vous ai déjà raconté à plusieurs. Et j'ai conduit plus vite que les pompiers. Qui pourtant ne s'arrêtait pas au stop ni au feu rouge. Et je suis arrivé avant eux à, à l'hôpital. Et j'étais tellement, à un moment, la peur, l'angoisse, et j'ai dit encore Seigneur, quoi qu'il arrive, je te servirai. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive, continuez de servir le Seigneur. Quoi qu'il arrive, même si ça ne se passe pas comme vous l'avez imaginé, même si vous ne comprenez plus rien, continuez de marcher, de prendre sa main, continuez de vous attacher, de vous accrocher à votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Continuez à prendre Jésus, à vous accrocher à lui, quoi qu'il arrive. Même si la réalité avait l'air de faire mentir Dieu même si les circonstances avaient l'air de montrer que Dieu avait menti, dans les temps qui vont venir, frères et sœurs, et que vous allez passer par là, continuez de faire confiance à Dieu. Continuez de croire que ce qu'il a appelé Éden sera un Éden. Continuez à croire que ce qu'il a appelé une église triomphante sera une église triomphante. Continuez à croire. Que ce qu'il a béni et béni continuez à croire que ce qu'il a appelé plus que vainqueur l'est véritablement. Que vos progrès soient évidents de tous. Que nos progrès soient évidents de tous. Il y a des hommes qui ne cessent de progresser dans le mal. La Bible dit que ce sont des gens qui s'opposent à la vérité avec l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Et l'apôtre dit que le temps éprouvera la folie de leur conduite. Et il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs, ils avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Mais il dit et il redit à Timothée, mais toi reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut. Par la foi en Jésus-Christ. J'aime la parole de Dieu. Lorsque j'étais petit, je la lisais soir après soir. J'aime la parole de Dieu, j'aime la Bible. Je m'étais inscrit à l'âge de 14 ans environ à un institut biblique et je répondais à ces petites questions. J'étais tout seul dans ma chambre parce que j'aimais la Bible. Parce que j'aimais la Bible. Mon frère m'a offert cette Bible il y a longtemps maintenant. J'ai perdu la première page. Je pensais que je l'avais encore. J'avais 19 ans. Ça fait 16 ans. Il m'avait mis un verset de l'Apocalypse qui disait que. Il fallait persévérer et vaincre pour obtenir la couronne de la vie. Cette Bible, elle m'est chère parce que c'est dans cette Bible, et c'est avec cette Bible, que j'ai fait des expériences avec Dieu, c'est avec cette Bible que j'ai connu Dieu, c'est avec cette Bible que j'ai appris à entendre Dieu. C'est avec cette Bible que j'ai découvert des principes, des choses extraordinaires. Avec cette Bible. C'est avec cette Bible, depuis le 25 décembre 2002, j'ai retrouvé le, le passage, que j'ai continué de méditer. Dieu dit ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Cette Bible m'a accompagné. Dans toutes les maisons où nous avons été, elle m'a accompagné en Bretagne. Elle m'a accompagné lorsque nous nous sommes mariés dans notre première maison, dans la ville de Vannes, puis dans nos deuxièmes maisons. Puis lorsque nous sommes partis à Lieux Saint pour enseignement.com, elle m'a accompagné. Et puis lorsque nous sommes revenus habiter chez mes parents, ou plutôt chez une amie, pour l'accouchement d'Éden, elle était là. Et lorsque nous sommes revenus sur Paris, dans une maison à Villepreux, pas celle que tu as vue, elle était là. Puis lorsque nous avons déménagé à Champigny-sur-Manne en région parisienne, elle continuait d'être là. Puis lorsque nous sommes... Repartie habiter là chez mes parents pendant deux mois, elle était toujours là. La parole de Dieu était toujours là, à mes côtés. Je continuais de la lire, de la méditer, parfois en l'oubliant un peu, mais elle était toujours là. Merci Anthony. Et elle a continué de m'accompagner. Dans notre autre maison, lorsque nous sommes revenus, puis dans une autre maison encore, puis dans une maison ici à Isman, puis dans notre maison au lac à Bromont, jusque dans la maison dans laquelle nous habitons depuis maintenant quatre ans. La parole de Dieu. L'apôtre Paul dit applique-toi à la lecture, applique-toi à la méditation. Afin que tes progrès soient évidents de tous. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, parce que c'est en la méditant que tu trouveras la sagesse, une sagesse qui t'amènera dans une foi véritable pour le salut en Jésus-Christ. Cette parole de Dieu, frères et sœurs, elle est mon fondement. Et comme je l'ai dit, si Dieu n'était plus là, si cette parole n'était plus là, je ne serais plus, je ne saurais plus quoi faire. Concernant ma vie. Concernant mes relations. Concernant mes journées. Concernant mon argent. Concernant tout. Concernant mon couple. Concernant ma famille. Concernant mon caractère. Concernant mon lendemain. Concernant la vie éternelle. Concernant la vie présente. Mais cette parole de Dieu. Est une nourriture. Un solide fondement. Une colonne de vérité. Elle est mon partage. Elle est ma vie. Josué a déclaré, j'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé pour explorer le pays. Il avait 40 ans. Et des fois, je ne sais pas pour vous, moi je n'ai pas encore 40 ans, mais on peut se trouver à 40 ans et avoir l'impression qu'on n'a rien fait. Avoir l'impression que... On n'a rien construit. Avoir l'impression qu'en fait, on n'est pas dans le coup. Que ce que Dieu nous a montré, on n'est pas du tout dedans. Et on a l'impression que, finalement, on est, on est, on est à côté. À 40 ans, Josué est allé voir ce pays qui était promis par Dieu. Mais 45 ans plus tard, il dit, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. Il dit, j'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Alors il dit, maintenant donne-moi cette contrée montagneuse. Donne-moi cette montagne que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. Il avait 85 ans, mais pour lui, ce n'était pas trop tard. Il avait 85 ans, mais pour lui, il n'était pas encore trop vieux. Il avait 85 ans, mais pour lui, il y avait encore une espérance. Il avait encore 80, il avait 85 ans, mais, mais il y avait une espérance que cette montagne que que Dieu lui avait montrée, cette montagne ou même ses pieds avaient commencé à aller. Cette montagne duquel il il avait amené des amis avec lui et ils avaient dû porter à plusieurs des grappes de raisin tellement elles étaient lourdes. Cette montagne dont on avait dit c'est le pays où coule le lait et le miel. Il avait cette espérance. 45 ans passés. On lui en avait parlé à 40 ans, mais là il avait 85 ans. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur que Dieu t'a dit il y a 15 ans, mais peut-être que dans 20 ans tu entreras, mais c'est pas grave, persévère. Combat le bon combat de la foi. Il y a des choses que Dieu met dans nos cœurs, ce n'est pas pour maintenant. Mais Dieu veut transformer nos façons de penser. Dieu veut nous encourager. Dieu veut nous motiver. Dieu veut nous dire, tu vas y arriver. J'endurcis ton front pour que tu l'opposes à leur front. J'endurcis ta face pour que tu l'opposes à leur face, mais crois. Ne crains pas. Fais-moi confiance. Car ce pays que je te montre, tu y entreras. Ce pays que je te montre, il est pour toi. Il dit Mais j'ai autant de force. C'est Caleb qui dit ça. J'ai autant de force. Après 45 ans, autant de force. Parce que nous en avons parlé La santé divine est pour ceux qui marchent en Jésus-Christ. Donne-moi cette montagne que l'Éternel m'a promise. J'aimerais dire à ceux qui ont des cheveux blancs, à vous qui avez 60 ans, 70 ans, 80 ans, que la course n'est pas terminée. J'aimerais vous dire qu'il y a peut-être des rêves que vous avez depuis très longtemps maintenant, et plusieurs d'entre vous, vous avez abandonné la foi. Non pas la foi en Dieu, mais la foi en ce qu'il vous a dit. En ce qu'il vous a promis. Et vous avez oublié, vous avez négligé la promesse qu'il vous a faite. Et pourtant, cette promesse a en elle-même la semence pour croître, pour grandir et pour porter du fruit. Et pour donner à manger à ces hommes, à ces femmes qu'il vous a montrées dans ses rêves, dans ses visions dans ses paroles inspirées, dans ses prophéties, dans ses révélations personnelles, dans la méditation de la parole de Dieu que vous avez faite vous-même. Il n'est pas trop tard. La Bible regorge d'hommes qui étaient âgés et qui ont commencé à servir Dieu, alors qu'ils avaient 40 ans, alors qu'ils avaient 80 ans, alors qu'ils avaient 85 ans. Vous n'êtes pas trop âgés pour voir la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas trop âgé pour construire. Vous n'êtes pas trop âgé pour créer des sociétés. Vous n'êtes pas trop âgé pour créer des associations. Vous n'êtes pas trop âgé pour aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous n'êtes pas trop âgé pour commencer à apprendre une nouvelle langue. Pas trop âgé pour commencer à changer dans votre caractère. Vous n'êtes pas trop âgé pour commencer à faire des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'ici. Vous n'êtes pas trop vieux pour entrer, pour posséder votre territoire. Vous n'êtes pas trop vieux pour obtenir cette montagne. Vous devez être comme Josué Caleb. Caleb qui a déclaré, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Cette montagne que je désire depuis 45 ans. Cette montagne que Dieu m'a promis, dans laquelle Dieu m'a envoyé il y a 45 ans. Donne-moi maintenant cette montagne. C'est le temps pour moi d'obtenir cette montagne. C'est le temps pour moi de vivre dans cette montagne. C'est le temps pour moi de posséder cette montagne. C'est le temps pour moi de voir avec mes yeux ce que Dieu m'a montré dans l'esprit. C'est le temps pour moi d'attacher les yeux spirituels de ma foi à mes yeux naturels et que mes yeux puissent voir la gloire de Dieu. La Bible déclare que tous ces hommes, qui cherchaient une patrie céleste. Ils ne se sont pas regardés comme des propriétaires, mais comme des voyageurs sur la terre. Et la Bible déclare qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qui leur avait été promis parce qu'ils nous attendaient. Mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Nous n'avons plus à attendre parce que Jésus-Christ a accompli parfaitement ce qu'il avait à accomplir. La montagne est devant nous. La montagne est devant nous. Qui montera à la montagne de l'éternel Qui ira jusqu'aux nuées du Très-Haut Qui ira posséder Il y a des choses que Dieu vous a montrées et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour progresser. Il n'est pas trop tard pour être cet homme que tu désires être depuis si longtemps. Il n'est pas trop tard pour être cette femme. Que tu as dans tes pensées, cette femme auquel tu aspires. Tu es une femme et dans ton esprit, il y a l'image d'une femme qui est dans ton cœur depuis des années et des années. Et tu vois cette femme comme si elle était un fantôme. Et tu poursuis cette femme et cette femme, c'est toi. C'est l'image de ce que tu es, que Dieu a mis dans ton esprit. Tu poursuis cette femme comme on peut poursuivre. Une petite fille qui va de lieu en lieu en courant et dans ton image, tu vois cette femme et tu te dis Seigneur, j'aimerais tellement devenir comme elle. Mais Dieu te montre une image. Il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Tu ne t'appelleras plus Sarah, mais maintenant ton nom c'est Sarah. Je change ton nom. Si tu peux seulement lever les yeux vers les étoiles. Si tu peux seulement commencer à compter pour changer tes façons de penser. Si tu peux commencer à regarder aux choses qui sont en haut et à arrêter de regarder à ce qui est en bas parce que ce qui est en bas périra et sera dans la poussière. Il n'est pas trop tard, chers amis. Il n'est pas trop tard, chers frères et sœurs. Il n'est pas trop tard. Mon ami Pasteur Wallace, il y a encore beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à conquérir, beaucoup à vivre. Ce n'est pas le temps de s'asseoir. Ce n'est pas le temps d'arrêter l'horloge, comme si le temps s'était arrêté. Nous ne sommes pas dans le temps où nous devons juste rester assis et attendre de mourir. Non. Dieu parle à l'homme de Dieu. Il amène Ézéchiel dans cette vallée d'ossements desséchés et il dit, prophétise, prophétise, prophétise à ces eaux. Et Ézéchiel dit alors que je prophétisais, j'ai entendu un frémissement et j'ai entendu un bruit et j'ai commencé à voir sur ces, sur ces os de la chair, des muscles, des tendons et puis une peau. Et puis ils ont commencé à se lever. Et il formait une grande armée. Dieu dit, arrête de te considérer comme un sac d'os. Arrête de te considérer comme quelqu'un qui a déjà tout fait, déjà tout vu, et qui a déjà tout accompli parce que l'apôtre Paul a dit, non, je n'ai pas, pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé. Il avait fondé des églises. Il avait amené des milliers et des milliers d'âmes au Seigneur. Il avait écrit des lettres. Et pourtant, il savait qu'il n'avait pas encore terminé. Nous avons parlé de l'apôtre Jean, mais avant qu'il soit à Patmos, il n'avait pas terminé. Il avait besoin d'écrire le livre qu'on appelle l'Apocalypse. Il avait besoin d'aller, et nous avions besoin qu'il aille jusqu'à la fin pour savoir ce qui va se passer après. Nous avions besoin, nous avons eu besoin que Jean soit persévérant. Qu'il soit pleinement persévérant dans les épreuves, dans les difficultés, dans les trahisons, dans les calomnies, dans les injustices faites à son égard. Il a eu besoin d'être persévérant et nous avons eu besoin de sa persévérance. Et la Bible déclare de marcher sur les modèles que nous avons en eux et d'imiter leur foi. Qu'avait-elle de particulier leur foi Est-ce que c'était croire juste un jour comme ça Oui, je crois en Dieu. Non, c'était une foi persévérante. Une foi qui durait comme lorsque vous regardez une minute s'écouler avec ses petites aiguilles. Tic, 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 tic. C'est long. Ça dure longtemps. C'est cette foi que Dieu veut que tu aies. Une foi qui soit lente. Une foi qui soit longue. Une foi qui soit endurante. Une foi qui soit persévérante. Une foi qui dure. Je me souviens lorsque on était à la première année de Enseigne-moi. Il y avait le pasteur Olivier Durin qui était là, il avait prié pour moi, et pour moi c'était, dans ma pensée, l'entrée dans le ministère prophétique, ce que Dieu m'avait montré, c'était maintenant. Et lors de sa visite, et quand il a prié, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Et il a dit dans sa prière, ce sera pas après pas, et marche après marche. J'étais dégoûté. J'aurais voulu qu'ils me disent, c'est maintenant, tu es en haut de la montagne. Je me souviens lorsque Dieu nous a appelés, qu'il a parlé à Michael et qu'on était là au début d'ancien mois et qu'on commençait à aller voir les pasteurs. Moi, j'avais l'impression que c'était demain, EMCITV. Même si ce n'était pas notre cœur à l'époque, j'avais l'impression que c'était demain. Mais il s'en est passé des temps, des déménagements, des histoires, des problèmes, des choses à régler. Le temps, le temps. A passé les jours, les semaines, les difficultés, les questions sans réponse, les trahisons parfois, le temps. Nous avons été confrontés au temps, Nous pas, on n'a pas pu aller en dehors de ce temps. Le, le temps a vraiment passé. Et plusieurs d'entre vous qui ont les cheveux plus blancs que moi, vous dites Mais il est, il est, est encore un petit jeune, il est rigolo, c'est un enfant mais pour moi aussi, le temps a passé. et quand on vieillit, on se dit, mais, on ne peut pas apprendre une nouvelle langue. c'est trop tard, ça c'est pour les jeunes. mais c'est pas trop tard. c'est pas trop tard. josué a dit aux israélites, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'éternel, le dieu de vos ancêtres, vous a donné? Je suis persuadé que si l'apôtre Paul avait été votre père ou votre grand-père, il vous aurait encouragé dans la foi. Il vous aurait regardé, vous, en tant qu'enfant, il aurait, il aurait prié pour vous. Et il vous aurait encouragé, il vous aurait fortifié. Il vous aurait dit, Thomas, tu vas grandir, ça va être difficile, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Tu vas persévérer en Dieu. Tu vas connaître des difficultés, des obstacles. Mais Thomas, persévère. Parce que la gloire du Seigneur va se lever sur toi. Parce que ce sera glorieux. Parce que ce sera extraordinaire ce que Dieu va faire dans ta vie. Et quand tu seras vieux, tu pourras raconter à tes enfants. Et quand tu seras vieux, même tes enfants verront encore les œuvres que tu accompliras. Parce que vieux... Ça ne veut pas dire sans vie, parce que vieux, ça ne veut pas dire sans espérance, parce que vieux, ça ne veut pas dire sans projet. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de ces choses L'Éternel a parlé à Abraham. L'une des premières fois dont on parle de cet homme, Abraham, le Père de la foi, lui dont le nom est mentionné à chaque seconde dans ce monde. Les milliers, millions d'églises qui existent. Lorsque Dieu lui a parlé et qu'il lui a dit quitte ton pays, ta famille, la Bible dit qu'il avait 75 ans. Cet homme qui est le père de la foi, cet homme qui est un modèle de foi, cet homme qu'on ne cesse de prêcher, quel âge avait-il quand il a commencé à marcher avec Dieu 75 ans. Il avait 75 ans. Tous ceux qui ont moins de 75 ans, mais gloire à Dieu. Parce qu'il y a tellement d'espérance pour nous. Il y a tellement d'espérance pour nous. Il avait 86 ans quand Agar lui a donné son fils. Et il avait 99 ans quand Dieu lui a apparu et qui lui a dit, mais ce n'est pas ce fils. Et il y a le fils de la promesse. Abraham a dit à Dieu, mais Seigneur, est-ce que il va naître un fils à un homme de 100 ans Il avait 99 ans. Et à Sarah, qui est âgée de 90 ans, pour lui, c'était fini. On n'a pas encore tout vécu. On n'a pas encore tout vu. On va changer. On va être transformé. On va aller de progrès en progrès. Je vous sens encouragé parce que mon intonation a l'air de dire que j'ai terminé, mais je n'ai pas terminé. C'est pas que j'essaie d'être drôle, c'est qu'il a dû laisser quelque chose ici, avec Annabelle. Le meilleur est devant nous. En fait, le téléphone d'Annabelle, il n'est pas pratique parce qu'il s'éteint tout le temps. Ok. Waouh. Savez-vous à quel âge Saül est devenu roi Il est devenu roi lorsqu'il avait 30 ans. À chaque année qui passe, et surtout les, 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 les dernières années, moins les 2-3 qui ont passé, mais, mais surtout avant, à chaque année qui passait, j'avais comme l'impression que je n'étais pas assez allé vite, que je n'avais pas été assez vite, et que c'était comme trop tard. Chaque fois qu'on arrivait dans les temps des fêtes de Noël, Annabelle sait que pour moi ce n'était pas des temps joyeux. Il y avait de la joie, mais aussi il y avait une contrition dans mes pensées, une affliction dans mes pensées, parce que je me disais entre ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce que je désire, et ce que je vis, je n'y suis pas encore. Ce qui fait qu'à chaque nouvel an, à minuit, quand tout le monde s'embrassait, moi j'allais tout le temps aux toilettes pour me mettre à genoux et prier pour qu'en cette année Dieu le fasse, pour que cette année soit bénie, pour qu'en cette année je puisse tenir sa main, persévérer, pour qu'en cette année sa gloire se manifeste. C'est mon expérience. Lorsque j'ai eu 30 ans, j'avais l'impression d'avoir 90 ans. Et en même temps, lorsque j'ai eu 30 ans, et encore dans les dernières années, je n'avais pas l'impression d'être un homme, mais d'être encore un enfant. Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Persévère. Dieu peut utiliser un simple enfant. Il a utilisé un enfant et c'est grâce à un enfant que nous avons le Nouveau Testament. Puisque c'est un enfant qui, lorsqu'il a appris qu'on allait tuer Paul, a prévenu sa sœur. Un enfant. Un simple enfant. Dieu m'a vu quand j'étais sur mon vélo à 12 ans et qu'il m'a parlé. Et que j'étais en train de penser à un judoka qui avait habité pas trop loin de chez moi, qui était devenu champion du monde et qui voyageait partout. C'est quand j'étais en train de penser à lui que Dieu m'a dit, pff, dans mon esprit, j'ai senti, mais est-ce que Dieu pourrait m'amener à voyager dans le monde entier Pourquoi il m'a parlé Parce que je lisais la Bible, parce que j'aimais Dieu, parce que j'aimais l'Église locale. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il est devenu roi. David était lui aussi âgé de 30 ans lorsqu'il est devenu roi. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Je vais parler à ceux qui d'entre vous sont appelés au ministère et qui voient les années passer. Et vous avez l'impression que c'était du temps perdu. Et ce n'était pas du temps perdu. C'était une préparation. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Se sentir un homme peut prendre longtemps. Soit parce qu'on a été rabaissé quand on était petit, soit parce qu'on s'est rabaissé nous-mêmes. Soit parce qu'on nous a traités et continué de traiter comme un enfant, soit parce que nous-mêmes, on a une mauvaise estime de nous-mêmes. Et c'est ce qui nous empêche de croître. C'est ce qui nous empêche de grandir. J'ai dû, sans le réaliser, combattre avec mon enfance. Combattre avec ce qui voulait rester petit en moi. Combattre avec ce qui voulait rester immature en moi. Et encore aujourd'hui, je poursuis la maturité. Je poursuis la maturité. Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pasteur Joël nous a rappelé sa première église dans sa remise. Pourquoi il aime? nous en parler, c'est parce que pour lui ce sont des moments chéris, précieux. Pourquoi j'aime penser à lorsque j'étais sur mon vélo à 12 ans, à cette intersection à 200 mètres de chez moi, parce que c'était des moments précieux. Pourquoi j'aime me rappeler de ces cours bibliques que je recevais par la poste et à chaque fois j'envoyais des timbres parce qu'en fait je ne savais pas que c'était un truc automatique qui m'était. Alors j'envoyais des timbres, j'envoyais des timbres. Pourquoi j'étais content quand je recevais ça? Pourquoi, pourquoi J'aime m'en rappeler parce que c'est mon enfance. Ce sont des moments chéris. À huit ans, il est devenu roi. Pierre dit Il y a un fait que vous ne devez pas oublier. Ça veut dire qu'on peut l'oublier facilement. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Ils y pensent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut qu'aucun périsse. Parfois, Dieu fait patience à notre égard pour que nous puissions être prêts, pour que nous puissions être bien disposés, pour que nous puissions avoir les clés, le caractère, un caractère assez fort pour gérer la chose, pour gérer ce qu'il nous donne. Nous savons qu'on ne peut pas donner à un enfant une voiture ou un outil dangereux parce qu'il serait pour lui comme une auto-destruction, une arme contre lui-même. Dieu attend que tu sois patient, pleinement persévérant, un caractère éprouvé qui grandit. Et Pierre dit c'est pourquoi, mes amis, dans cette attente de Christ qui revient et des éléments brasés qui vont se dissoudre, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. Faites tous vos efforts. Combien de fois vous et moi avons-nous dû s'efforcer de garder la foi pour les promesses de Dieu Combien de fois avons-nous dû nous efforcer de continuer à travailler, de continuer à prier, de continuer à mettre les genoux au sol et prier Combien de fois il dit Comprenez que la patience du Seigneur est le salut des hommes, mais au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je prie que vous puissiez sans cesse progresser dans la grâce, tout ce qui nous est donné par grâce, tout ce qui nous est donné d'une façon imméritée, toute la grâce de Dieu, la gloire de Dieu tout ce qui est surnaturel divin et qui vient sur nous mais aussi dans la connaissance que nous allons puiser à travers les écritures la connaissance que nous allons puiser à travers une relation de communion avec la parole de dieu une connaissance que nous allons avoir obtenir en étant fidèles dans l'église locale aux assemblées aux réunions de l'église c'est réunion après réunion prédication après prédication Verset après verset, que nous grandissons, que nous sommes transformés. Dans les évangiles, on sait que Jésus a vu un homme, il était malade. Il était malade depuis 38 ans. Mais ce jour-là, après 38 ans, le Seigneur l'a guéri. Il y a encore cet homme qui était malade dans un lit paralytique depuis 8 ans. Il s'appelait Aîné. Lorsque Pierre l'a visité, et qui lui a dit Lève-toi et marche. Ça fait peut-être huit ans, ça fait peut-être 38 ans, mais c'est pas trop tard. Ça fait peut-être 38 ans ou huit ans, et peut-être que encore tu auras à combattre pendant huit ans ou pendant 38 ans pour voir ce que Dieu t'a dit, être pleinement réalisé. Il est possible que Dieu te donne une tellement grande vision qu'elle va prendre longtemps, longtemps. À grandir longtemps à paraître mais ce que Dieu demande de toi c'est que tu sois trouvé fidèle dans une foi ferme dans une foi stable dans une foi triomphante dans une foi persévérante dans une grande confiance en Dieu parce que tu l'aimes parce que tu chéris ce moment de communion quotidien avec lui même si ta tête te dit que tu n'as pas assez prié, même si ta tête te dit que tu n'as jamais assez fait, assez lu, assez été, ton esprit est en communion avec Dieu et sait que ce qu'il a promis, cela se manifestera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, mais ce qu'il a dit, cela arrivera. Père, je te remercie et je te glorifie pour les visions particulières que tu as mises dans le cœur de mes frères, de mes sœurs. Certains, tu les as appelés à créer, commencer des églises locales. D'autres, tu les as appelés à ouvrir des orphelinats, à créer des associations qui viendraient en aide aux plus démunis. D'autres, tu les as appelés à avoir des enfants et à les éduquer pour qu'ils deviennent de futurs serviteurs et servantes de Dieu. Des hommes et des femmes qui influenceront la société. D'autres, tu les as appelés à dominer au niveau des finances, au niveau de l'influence, de la politique, de l'économie, de l'éducation, de l'enseignement. Père, merci. Merci parce que c'est toi qui fais des dons aux hommes. Merci parce que tu as envoyé les ministères. Et le Saint Esprit, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu les as envoyés pour notre perfectionnement, pour que nous soyons chacun capable, apte, à accomplir l'œuvre que tu nous avais destinée. Aussi vrai que tu as inscrit notre nom dans le livre de vie, aussi vrai que tu as inscrit chacun de nos jours et chacune des œuvres préparées à l'avance pour nous. Je prie, Père céleste, pour l'église locale, afin que chaque personne qui entendra ce message puisse entrer dans ce qui était écrit à son sujet. Que chaque personne ait une fois suffisamment forte pour malgré le manque, malgré les problèmes financiers, malgré les maladies, malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les persécutions, continuer, continuer de marcher dans l'espérance, continuer de marcher dans la foi, aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Et triompher. Père, je prie pour une foi forte, pour une foi ferme, pour des hommes et des femmes qui sont stables et qui continuent de croire à 40 ans que ce n'est pas terminé, qui continuent de croire à 80 ans que ce n'est pas terminé, qui continuent de croire à 85 ans que ce n'est pas terminé, qui continuent de croire comme Abraham à 99 ans que ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu nous as promis, tu le feras. Oui, glorieux Jésus-Christ. Ce réveil va se manifester. Oui, le réveil va venir dans nos contrées, dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays. Oui, ta puissance va se manifester autour de nous et nous verrons ces hommes et ces femmes venir à toi. Oui, glorieux Jésus-Christ, tu le feras. Nous ne sommes pas encore trop vieux. Nous ne sommes pas encore trop vieux. Nous ne mourrons pas sans avoir vu ta gloire. Nous ne mourrons pas sans être entrés dans ce que tu nous as promis, car ils nous ont attendus. Ils nous ont attendus, ils ont attendu la venue du Messie, mais le Messie est venu. Nous sommes dans l'aujourd'hui. Nous sommes dans le tout est accompli. Et nous verrons ce que tu nous as montré à la réalité. Oui, glorieux Jésus-Christ, nous verrons ces hommes et ces femmes être transformés par toi, à travers nous. Nous verrons une assurance nouvelle dans notre vie, une confiance nouvelle. Plusieurs personnes dans ce lieu vous êtes pris par une timidité excessive. La timidité, ce n'est pas mauvais, sauf quand, elle était ex sauf quand elle est excessive et qui vous empêche de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Soyez en délivré au nom de Jésus Christ. Commencez maintenant à être dans une foi active et commencez à faire ce que vous n'avez pas fait. Commencez à croire parce que vous n'aviez plus cru, pour ce à quoi vous ne vous attendiez plus, commencez à espérer à nouveau, parce que vous n'espériez plus, commencez à proclamer, à imaginer, à vous voir dans ces situations. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.